Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo. Alors je vais m'intéresser un peu plus à mardi et mercredi au niveau des centres d'action parce que là on va avoir vraiment un changement de temps encore hein, comparé à ce week-end et à ce lundi. Ce mardi on va avoir donc une goutte froide hein, ici, voilà vous voyez qui arrive d'ici depuis donc la Méditerranée qui remonte donc en direction vous pouvez constater donc de la Corse. Cette goutte froide laissera entrer donc une autre dépression hein, ici que vous voyez donc sur l'Atlantique qui se fera refermer par un anticyclone hein, assez important. Cet anticyclone va emprisonner donc la dépression et donc par conséquent il pourrait y avoir des orages qui seraient beaucoup plus costauds encore que pour cette journée de samedi possiblement avec donc des orages qui seraient plus localisé, peut-être, hein, mais qui serait fort parce qu'on aurait un énorme conflit hein, qui pourrait s'organiser entre le nord, vous voyez ici avec une masse d'air assez douce, hein, vous pouvez constater qu'il arrive donc depuis l'Allemagne, voilà, une atmosphère quand même assez douce, avec des températures 850 qui pourraient aller jusqu'à 12 degrés, et en même temps une dépression qui circule ici, qui va en direction de la Méditerranée. Donc ça pourrait donner des orages pour la moitié nord, sachant qu'il ferait assez chaud même, hein, on pourrait parler de chaleur. Donc pour cette journée de mercredi hein, sur une bonne partie du nord-est. Donc là, surveiller ces orages hein, qui pourraient être actifs hein, quand même. Entre mardi, donc ça pourrait commencer mardi. Mais c'est surtout mercredi que ça va s'amplifier nettement avec des orages actifs. Là, il faudra les surveiller une nouvelle fois. Donc je ne sais pas si je ferai une carte parce que je ne serai pas chez moi. Pour en reparler. Mais donc, il faut rester très prudent. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt pour un nouveau point météo. À bientôt.